Non, c'est pas ça. Voilà. Comme avant. Voilà. Du coup, on avait fini le. Ouais, on avait fini le chapitre, il me semble. C'est cool. On avance bien là. On avance bien. 14. Donc, en théorie, on est à deux chapitres de la fin du jeu. Et ça commence direct. Ça commence direct. Je vais mettre ça comme ça. Voilà. Je vérifie 2-3 trucs encore. C'est comme ça. Ces choses-là, c'est comme ça. Allez. Donc, tac, tac, tac. Ah oui, c'est ça. Donc je m'étais arrêté là et oui, j'avais évidemment on n'avait pas fini le chapitre. C'est ça. On n'avait pas fini le chapitre. Toi, tu vas me tomber dessus, c'est clair. Non? Tu vas pas me tomber dessus, toi? Je le sens pas du tout, en fait. Voilà. You. Me. 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 Attends, j'ai pas compris par contre pourquoi. Ah oui, c'est retourné, d'accord. C'est pour pas que je m'en aille en fait. Ça allait tellement vite que j'ai cru que le truc s'était mis devant moi. Alors qu'il est apparu derrière moi. You will. Ça ne me fait absolument pas peur. Pas le moins du monde. J'ai passé le stade où je suis effrayé. J'ai passé tout ça. Souffrir. Franchement. Qui suis-je? Qui êtes-vous pour m'obliger à souffrir? Pensez-vous que je devrais souffrir? Pensez-vous que je devrais souffrir? Est-ce que je peux passer là? Ah ben voilà. Ah! Est-ce que je dois courir? Ouais. J'ai l'impression qu'il faut que j'avance. Oh putain! Oh putain, faut que j'avance. Ah, je crois que je connais la salle où on va arriver là. Ouais. Cette salle, à chaque fois on y revient, c'est une espèce de matrice là. Encore cet endroit. Encore cet cet endroit. Endroit. Appuyez mes recherches sous votre nom. Ça fait aussi pouvoir me cacher. C'est un service que je te rends. Tu n'as pas de référence. C'est ta seule chance d'être publié dans un journal réputé. Personne n'est même au courant que tu existes. Oh, on me connaîtra. Vous savez très bien que je vous surpasse sur tous les points. Peu importe, j'ai ce qu'il me faut. Il ne manque que la procédure. Exact. C'est pour ça que nous sommes là. Nous. Vous n'oseriez pas. Vous ne pourrez pas terminer sans moi. Précisément. Oula! Ah mais le docteur, il est... Il est de moins en moins innocent à mes yeux. Et ce J'espère que j'ai truc... pitié de toi. Encore.
Encore. Encore. Oh non. Pas encore. J'en ai marre. Ah putain. Débranche ça, vas-y. Débranche, débranche. Ah. Débranche tout. Débranche. Wow. Ah voilà la fin du chapitre 14. Bon, bah comme ça c'est clair. Comme ça, c'est clair. On va finir le jeu. Un truc. Bon, c'est bon. Allez, on se lance. On va voir. Lorsque vous désarmez des pièges explosifs, il est préférable d'imaginer qu'il reste un peu moins de temps que prévu. Ouais. Bah c'est décalé, donc c'est normal. Lui-même. Je me suis tiré moi-même dessus. Waouh. À chaque fois c'est des rituels, mais j'aime bien voir ici s'il y a quelque chose. Non, il n'y a rien. Pourquoi je peux pas avancer? Retranscription d'interrogatoire, affaire interne, 13 mars 2013. Inspecteur Phi, savez-vous pourquoi on vous a arrêté? Parce que vous êtes des incapables. Vous êtes livré à une enquête non autorisée, vous avez utilisé les ressources du KCPD, pire, vous avez menacé et intimidé certaines personnes. On nous a même signalé des violences physiques. Si vous aviez la moindre preuve de ce que vous avancez, vous auriez déjà pris mon insigne et mon arme. Effectivement. Vous avez pris beaucoup de précautions, mais on vous a à l'œil. Vous n'êtes pas les seuls. Mais qu'est-ce que vous me chantez là? Continuez à me filer le train, vous le saurez bien assez tôt. Si vous continuez à vous imbiber du soir au matin, ce ne sera pas nécessaire. J'ai du boulot, vous savez. Vous avez terminé? Pour le moment, vous êtes... Pour le moment, mais vous êtes sur la corde raide, Castellanos. Au moindre faux pas, vous plongez.
Je plongerai quand ce sera terminé. Ok. Ruvik. On perd la tête. 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 Ok, ça ouvre des portes et tout ça et tout ça. Attends, avant, je veux quand même voir une dernière fois. Ah oui, je peux ouvrir des trucs. Allez, on va ouvrir un truc au pif. Allez. Ouais. Ok. Allez, j'arrive. Tu perds pas la tête. Tu ne perds pas la tête. T'inquiète pas, je suis là. Je vais lire ça. J'arrive. Cheveux bruns au carré, yeux marrons, répond au surnom de... Ah, c'est sa fille, à mon avis. Ici. Oula. Attends. Récupérer. Ne rien éviter, ne rien exclure. Non, y a rien. Wow. Où est-ce que tu m'emmènes ? Qu'est-ce que c'est que ce délire ? J'ai cru que c'était un ascenseur. What ? Je peux plus courir. Qu'est-ce qui se passe ? Ah, il disparaît encore. C'est vraiment barré. Hein. C'est vraiment, vraiment, vraiment barré. Ah, j'ai plus de balles. J'ai plus de balles pour le Japon, pour le Magnum, pour le... Oh putain. Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Attends-moi! Pas ici. Quoi, pas ici? Ça va pas tarder à s'effondrer! Pas ici. À part ici.
par ici. Qu'est-ce que... Leslie! On nous empêche de nous retrouver en fait. Il y a quelque chose qui veut absolument pas qu'on se retrouve. Waouh. Et voilà, ça recommence. Beacon, Joseph avait vu juste. Le docteur. C'était étrange en même temps. Dès le début, voilà, dès la première fois que je l'ai vu, le docteur, il y a un truc cloche. Il y avait un truc qui clochait. Puis aucun zombie n'attaquait, vraiment, c'est bizarre. Leslie. Qu'est-ce que... Leslie. Alors, je vais péter ça d'abord. Ah, des balles. Ah, est-ce que j'ai récupéré des balles de quelque chose là? Ah, de sniper, parfait. Toujours ça de gagner. Oh purée. Les sauts qu'il fait faire là, le jeu là. Ah, dommage, j'ai éternué en plus. Pour rajouter de l'angoisse. Peut-être pas exprès, hein. Je le savais. Nous y revoilà. Encore et toujours le même endroit. C'est exactement, c'est identique à la première fois. Apparemment, pas totalement. C'est presque identique. Bon, avant d'aller tout au fond, je regarde quand même. On sait jamais. Ah, ça, on doit pouvoir ouvrir. Pas passé là ? Ah si. Wow. Ah, il y a des trucs là. Ça sent pas bon. Il lui donne des trucs. Ça y est, ça commence. Ah, il commence à y avoir déjà des endroits où on peut aller là. Merde. C'était ici qu'on avait vu la première fois la caméra là. Et ça s'est mal goupillé. Ça, pour s'être mal goupillé, ça s'est mal goupillé. C'est clair. Oh là là, et là aussi on pourrait finir. Oh putain. Bon, je vais retourner à l'autre endroit. À mon avis, c'est ici que l'histoire continue. Je vais aller à l'autre endroit. Là. Ah bah non. Ah pff. Putain, je suis con. Je pensais que ça s'ouvrait ça. Bon, allez.
Allez, tu prends ton courage à deux mains et tu viens. Un peu de violence sur ces portes. Je sais pas où on nous emmène là. Mais c'est profond. En tout cas, c'est profond. Ça veut nous emmener très bas. Ça vient de ça là-haut. Chez moi. Tu l'avais bien cherché. Voilà. C'est la première fois qu'il est allumé avant que je vienne l'allumer. Allez. On va pas descendre là-dedans quand même. Non. Bon, allez, j'ai envie de savoir. On va descendre là-dedans. Après tout, y a quoi là-dedans? Ah. Il compte sur le fait qu'on va pas descendre là-dedans. Ah. Ouais. 1000 points, c'est quand même 1000 points. Quand même important. Ah! Ah, mais c'est au début! Nous voilà au début. Quand on fuit l'homme à la tronçonneuse. Qui nous a quasiment tronçonné la jambe, on se retrouve ici. Ah, je m'en rappelle maintenant. Leslie. Vous rêvez toujours de vous échapper, vous pensez la fin proche, à quoi bon rêver quand votre corps gît ici, immobile. Alors là, je ne sais pas. Je ne sais pas quoi vous répondre. Ah ouais, mais d'accord, en fait le jeu te fait des trucs dégueulasses en fait. S'il me fait des sauts dans le temps, il te fait avancer. Mais il faut que tu penses à revenir en arrière pour prendre des trucs. Il y a des pièces, il y a plein de trucs. Et ça c'est important de les prendre, je suis sûr. Je vais vérifier s'il n'y a pas des trucs par terre, quoi aux caisses. On ne sait jamais. N'importe quoi peut être utile. Contre ceux qui rôdent. N'importe quoi peut être utile. On va prendre notre temps. Nous ne sommes pas pressés. En rien. À
Ah, je l'ai pas ouvert cette porte. Ah bah oui, il y a une grille. Je suis bête. Ah, ça on peut y aller. Ça aussi. Waouh, 1000 points comme ça. Là y a rien. Alors où allons-nous? Ici ou ici? Je sais pas trop. Ah, non, je sais pas. Je pense que je vais aller l'autre parce que ça, ça a l'air d'être vraiment l'histoire là. On va plutôt aller là. Ah, je le savais, j'ai eu raison là. Encore des balles de sniper. Recharge-moi ce sniper, vas-y. Ouais. Non, j'ai eu raison. J'ai eu raison. Là, déjà, on a 4 balles. Avec ce fusil, on peut faire des bons dégâts. Allez, montrez-vous, je n'ai pas peur. Ok, j'ai cru que c'était un piège sur lequel j'avais marché et qui allait m'écrabouiller d'un instant à l'autre. Allez. Non. Qu'est-ce qui se passe? J'arrive, Leslie. Laisse-moi t'aider. Eh bien. Qu'est-ce qui va se passer? Waouh. Ça c'est marrant, l'ascenseur il se met en route tout seul, on n'a pas eu besoin de... Ouais, remarque, c'est toujours comme ça, mais... On appelle l'ascenseur, on se met dedans, et paf... Automatique. Non, ça monte tout doucement, là. Hein. Ça monte vraiment tout petit peu à tout petit peu. Voilà. Tout va se jouer à l'extérieur, donc. À
Et bah Leslie alors. Leslie? Ce qui est bizarre, c'est qu'il a l'air de vouloir que je vienne. Il a l'air de vouloir que je le sauve. Mais il fait tout pour fuir. Il m'échappe à chaque fois. Leslie non plus, il est pas net. Hein. Moi je le dis, hein. Franchement, j'ai pas peur de mettre un mot dessus. Leslie, il est différent. Bon, attendez, je regarde de l'autre côté. Ah, des pièces encore. Alors, on va avoir des combats à l'arbalète, là, je sens, parce que comme j'ai que le pistolet, le sniper et l'arbalète. Alors, qu'est-ce qui va se passer, hein? On peut péter ça? Non. Nous revoici dans la... Ah. Pour s'améliorer encore. Ok. Donc là, on va être dans le vrai du vrai, là. Le combat de boss final. Avant lequel nous avons droit encore une dernière fois à tout ça. Bon, allez, on va en profiter, mais... jauge de vie, il y a déjà tout. Attaque au corps à corps. Coup critique du pistolet. Stock. Agonie. La plupart du temps, c'est des trucs comme ça qu'on utilisait aussi, mais. Ça immobilise pendant longtemps. Ah non, c'est. Ah ouais. Ouais, on va faire ça, tiens, ça peut servir. Et puis, attaque au corps à corps. Attaque au corps à corps. Multiplicateur du dégât du fusil de précision. Ouais, on va faire ça. Il a fait encore plus de dégâts. Allez, c'est parti. Et puis, stock, grenade. Non, on peut pas faire ça. J'ai 4 balles de fusil de précision, donc il va falloir s'en servir. Tant donné qu'il fait plus de dégâts dorénavant. Allez. Ah, ce couloir. Je l'ai franchi déjà un sacré nombre. Un sacré paquet de fois. Pas le regarder dans les yeux. Enfin, dans l'œil. Le pauvre. Qu'il repose en paix. Bon, je vais pas l'enflammer, hein. On n'est pas des... On n'est pas comme ça, nous. Oula, oula.
Ah, c'est ça, c'est le truc qu'on a vu au début. Ouh, il a pas aimé. Ouais. Quoi, c'est tout? Ah. C'est ça son œil. Mais quel enfer! Ah ok. Là, si je tire dessus avec mon flingue, ça fait quoi? Et on va se débarrasser de tous ces cons. Voilà, déjà, ça c'est une bonne chose de faite. Récupère les grenades, vas-y. Ah punaise! Ah punaise! Oh la vache, mais... Vous êtes sérieux là? Ah. Non! Punaise! Ah mais pourquoi j'arrive pas à tirer? J'arrive pas! Ah bah ouais, mais je pouvais rien faire. Il interrompait toutes mes actions. Putain. Ah horrible. Non mais quel enfer. Quel enfer, quel enfer. Bon, je ne sais pas si ça sert à quelque chose de tirer sur les yeux. Pas sûr. Je suis pas sûr. Je ne suis sûr de rien, en fait. Voilà tout. Oh putain. Ah mais t'as pas de grenade en fait. Ah. Allez, enflamme-le. Allez, c'est bon. Thank you.
Oh là là là, pas lui. Pas ce truc quoi. Pitié. Ouais, d'accord, ouais, mais là j'ai même pas eu le temps là. J'ai pas le droit à l'erreur en fait. Oh. Ok. Oui, je sais, ils arrivent. Ne t'inquiète pas, je vais tous les défoncer. Ça va aller très vite. Non, putain, ne monte pas, abruti. Oh. Vas-y, prends ton flingue. Voilà, et maintenant fabrique des trucs. Fabrique des trucs. Vas-y. Ah non mais attendez. Ah. Voilà, tu te soignes. Ça va très bien se passer. Voilà, lui, tu vas lui envoyer une balle de sniper dans la gueule. Tu vas voir, ça va être très très vite. Ça va être très simple. Voilà, c'est fini. Il est mort. Il est mort, on a dit. Putain, on a dit qu'il était mort, là. Monte. Putain. Tu loupes tous mes trucs. C'est incroyable. Incroyable mais vrai. Putain. Il va nous falloir des munitions là, il va nous falloir des trucs. Ah ouais, hein. Ah genre ouais. Ah ouais. Putain. Alors qu'est-ce qui se passe maintenant? Moi je m'en fous, hein. Pendant qu'il n'y a personne qui m'attaque, j'en profite. Hein. Ah ouais. Ça c'est tellement la scène du boss que... Wow, ok. Putain. Ouais.
Oh putain! Vous êtes sérieux? Ah! Ouais, mais d'accord. J'ai pas le temps de partir là en fait. Ah, oh la vache, c'est tendu là quand même. C'est ultra tendux. Ultra tendux du Junux. Laissez-moi récupérer des pièces au moins. Carreau explosif, ok. Je recharge ça. Ok. Putain, mais... Ouais, mais d'accord. Ah, putain. Ah, putain. Putain, mais c'est pas vrai. C'est foutu, allez, vas-y. Oh la vache. Ah, j'ai du mal. J'ai du mal. J'ai pas assez de vie en plus. C'est sûr que c'est un problème. Sans arrêt à chercher de la vie, chercher un moyen d'en sortir.
putain. On va vite. Prends vite ça. Oh putain. J'ai pas le temps de tirer, j'ai pas le temps de me soigner. C'est bon, il est mort. T'es mort là, t'es mort, t'es décédé, enfin t'es mort. Si tu veux, t'es mort, voilà. Putain, c'était lui qu'il fallait buter. Ah ok. Ah bah j'ai bien fait d'augmenter le sniper. Parce que, yon. Ouais, c'est ça. Attends, attends, il y a un zombie qu'il faut buter. Et tous les autres obéissent. Au doigt. Et à l'œil. C'est dingue. C'est complètement dingue. Tu veux bien monter, s'il te plaît? Ah, faut que je récupère tout, là, parce que... Recharge ce beau fusil à pompe. Bouteille. Plus rien. Ah, les bouteilles, ouais, j'aurais pu m'en servir hein, vite fait, quoi. Ah ouais, alors attends, essaie de récupérer peut-être un carreau, là. Ouais, non, même pas. Avant de partir, je veux voir vraiment s'il n'y a rien à récupérer. S'il n'y a vraiment plus rien, plus rien. Putain. Sniper, il me reste plus qu'une balle. On recharge quand même. Et l'œil. À quoi il sert cet œil? Non, pas ça. Fusil à pompe. Allez, vas-y, monte. Wouah, il y a des... Punaise, je viens de piger. Je viens de regarder. Je savais même pas qu'il y avait tout ça là-haut. Il y a beaucoup d'yeux, hein. Les gros yeux, voilà. Il sait y faire avec les gros yeux, quand même. Allez, on va se refaire des carreaux explosifs. C'est bon, tac. Bon, bah voilà, c'est tout. Non, non, ne me monte pas, je m'en fous. Moi. Allez. On se tire de là maintenant, c'est bon. Un carreau d'arbalète encore, putain. Lui, il était impressionnant, à 5000, ouais. C'est le bazooka man qui se transforme en... Qui se transforme en homme, en homme tronçonneuse. Waouh. Ah oh, punaise. Ah d'accord. Ils sont sérieux. Ils sont sérieusement sérieux, quoi. Je peux réussir à les avoir au carreau normal? Je suis pas sûr. Hein. Ah non, mais en plus j'arrive pas à viser avec le carreau normal. C'est l'enfer. Oh, mais quel enfer. Quoi. Putain. Oh, ça m'énerve. Je n'arrive à rien. Mais vas-y, allume ta dynamite, connard. Vas-y, allume-la.
Voilà. Je me suis pris une balle de sniper. Mais je le vis bien. Heureusement que j'ai augmenté la précision de mon fusil sniper, putain. Allez, monte. Des balles, des balles. Voilà, c'est bon. On s'en refait un peu de munitions, du soin et des balles de sniper. Okay. Ah, j'ai plus de lanterne. Elle marche plus ma lanterne. Comment? Comment je fais? D'accord. Normal. Là il y a un levier, on va peut-être pas l'activer tout de suite. Oh non, ce truc là je le hais, putain. Oh là là, il y en a deux. Il est déjà bugué en plus. Il est déjà à moitié bugué le truc. Oh putain. Ah. Quoi? Ça me one shot. One shot. Putain. Vache. Ah ouais, c'est violent quand même là. J'ai pas de marge de manœuvre. Merde. De marge de d'erreur. Ok. Allez. J'essaie de refabriquer des carreaux là. Carreau explosif, là, vas-y, c'est bon. Yes. On a encore de quoi se faire un dernier carreau, je pense. Ça. Putain, toutes les munitions là. Wow. Ça pue. On peut pas péter. Ah tiens, on peut rien péter là. D'habitude tout ça, ça se pète. Oh là là. Oh non, pas encore le truc avec le. Oh, pas encore ce boss là, s'il vous plaît. J'en ai marre de ce boss là, je le veux plus. J'aime pas. Ah voilà. Ça devait arriver. Alors ça, je sais pas ce que ça fait, mais on va le tester tout de suite. Je fais ça. Ah, ils sont deux.
Non mais saute. Ouais. Ah. J'ai l'impression qu'il veut plus vraiment mourir lui. On dirait qu'il veut pas mourir. Pourquoi il veut pas mourir? Oh. Putain, mais ils sont indestructibles. Genre vraiment quoi. Genre on les tue comment? Putain! Oh putain, en plus il me troll. Vas-y, mais qu'est-ce que t'attends? Sont pas très tuables quand même. Ils sont pas très très tuables. Yeah. Ils sont pas du tout tuables même. C'est totalement du suicide. J'ai l'impression qu'ils sont invincibles. C'est ignoble. C'est purement ignoble. Ok, on va se faire des carreaux grâce à ça. Tu veux bien le récupérer? Merci beaucoup. C'est très aimable à toi. C'est trop aimable. Vas-y. Ah mais c'est là-bas en fait. En fait il faut que j'utilise... D'accord. Il faut que je les attire et je vais pouvoir me casser là-bas. Mais... Ok. Des balles. Oh, des balles. Oh, des balles. Non, c'est pas ça que je vais faire. Non, 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 c'est pas ça. Voilà. Parfaitement ça que je voulais faire. Exactement. Est-ce que tu peux t'en faire un petit dernier là? Ouais, exactement. Bon. Bon bah maintenant il faut ce qu'il faut hein. Allez vas-y, grimpe. Allez grimpe. Charge.
Putain, on peut pas s'échapper. Il est mort. Putain. Oh putain. Ouais, bah tu me laisses le temps de me lever, s'il te plaît. Il est mort. Vous êtes tous morts. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a? Oh la vache quoi. 8000 et 8000. À mon avis, tous les monstres de ce jeu, absolument tous, même les boss, sont tuables. Mais il faut juste y mettre la dose d'ours, la dose de mammouth pour buter cet infime. C'est infime, hein, non, cette grosse. Grosse saloperie, grosse. Cette immonde saloperie. Chose qui n'a pas de nom. Qui n'en mérite même pas. Hein. Bon, je regarde vite fait s'il y a quelqu'un. Waouh. Mon lieu. Il n'y a personne. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Maintenant que j'ai plus de balles, hein? Qu'est-ce que... Voilà, qu'est-ce qui se passe Ludwig, j'ai créé ce monde. Je n'en suis pas prisonnier. L'œil de Ruvik. Ouais. Waouh. Ah ok, je comprends. D'accord, il faut éviter les projecteurs. Oh, c'est clair. Par contre, si la souris pouvait s'enlever, merci. Ce serait pas plus mal. Mais comment je fais moi? Oh là là! Oh purée! Vous êtes sérieux là?
Allez, moi je m'en fous, j'en désamorce un. J'en désamorce un deuxième. Ah oh, putain, c'est trop à pied. J'ai pas le temps. Ah oh, putain, c'est trop à pied. Est-ce que j'ai le temps? Ah, j'aimerais bien en faire une dernière. J'aimerais bien en recycler encore un là. Allez. Voilà, comme ça je vais avoir de quoi me faire un. Allez. Encore un dernier là. Comme ça je peux faire un peu des munitions. Voilà. Ah, qu'est-ce qui se passe ici? Quoi? Ah putain! Ok. Oh la vache! Et nous revoici. Ok. Nous revoici ici. Tout ceci n'a aucun sens. Ah, je peux y retourner? Ah merde! Ah merde, il a cassé! Ça a cassé! Il n'y a plus chaise magique pour augmenter points. Chaise cassée. C'est fort dommage. J'aurais tant aimé voir augmenter encore un peu. Mais bon. C'est comme ça. Si je m'en sors vivant, plus jamais je monte dans un ascenseur. On va peut-être se soigner quand même. Hein. Voilà. Est-ce que quand j'ai des balles dans le sniper, putain, je n'ai plus qu'une seule. Wow. On peut rien faire ici. Hein. Si je m'en approche, ça fait quoi? Oh! Qu'est-ce que. Mais c'est moi! Hein? Au secours! Au secours! Sébastien, éloignez-vous de lui! Sébastien, écoutez-moi. Arrêtez. Vous avez les mêmes intérêts que nous. Ça va, j'ai bien compris. Vous n'êtes pas qu'une nouvelle recrue et lui n'est pas qu'un garçon ordinaire. Vous avez tué Joseph et tiré sur moi.
Donc à ce stade, j'ai de très bonnes raisons de ne pas vous faire confiance. Vous êtes un type bien. C'est pour ça que... ça n'a plus d'importance. Si vous avez tout compris, comme vous semblez le croire, vous savez pourquoi je ne peux pas le laisser vivre. Connerie! C'est Rubik. C'est lui qui a... Oh, ça recommence. Oh là 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 là. Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Ah, ça c'est Rubik. Rubik, pas content. What? Ah. D'accord. Ce fut un petit peu rapide par contre, hein. J'ai pas vraiment eu le temps de comprendre ce qui m'arrivait. Oh la vache! Ok. Il faut lui tirer dessus. Oh là là. Oh là là. Ah. Oh. Oh, j'ai pas de marge d'erreur là, vraiment. T'as pas une seule marge d'erreur. D'accord. Le petit zigzag de la vie. Oh. Ouais, vas-y, prends la mitraillette. Prends la mitraillette. Thank you.
Oh la vache. Allez, vas-y, monte, monte, monte. Ah. Wow. Attends, vous êtes sérieux, je suis pas mort là? C'est scripté! Ah, je suis empalé, mais c'est normal! C'est de la folie! Je pensais que c'était la fin là! Attendez, c'est impossible de viser sa tête là. Avec le décalage. Vous êtes sérieux? Vite. Maggie. Ah, vas-y. Tire. Mais là, t'es juste mort. Oh là là, attendez, mais c'est quoi ça? Il est encore vivant. Oh là là. Oh, le cauchemar. C'est bon, j'ai tiré dans sa tête et c'est bon. J'ai eu le temps de tirer sa tête. Quoi? C'est quoi, c'est un clone? Ah, du coup, c'est un clone de Sébastien qu'on joue? Je comprends rien. Oh là là, est-ce que je comprends rien? J'ai créé ce monde. Je n'en suis pas prisonnier. Ruvik.
temps d'en finir. Tiens, désolé. Celui-là. Laissez-le. Cela aussi. Ils n'iront nulle part. Nous non plus. Mais non, si ça finit comme ça, là, je comprends pourquoi il y a une suite, parce que c'est complètement décousu. What? C'est à n'y rien comprendre. Du coup, il retourne dans l'hôpital. Mais qu'est-ce que tu veux faire, franchement? Tuer Bacon? Tue-le, à la limite. Waouh. Gon. Inspecteur, vous allez bien? Il y a des survivants? C'est complètement dingue cette fin de jeu, Marc le chat. C'est... Ah, là sur ce point, le nom du jeu convient parfaitement. Et Leslie qui s'est encore enfuie. Putain, mais je comprends rien. Waouh. Il a détruit le cerveau de Ruvik, donc en principe ça devrait être fini. Et zut, j'ai raté ça, ouais. T'as raté le dernier chapitre. Ah, c'était barré, hein. C'était complètement barré. Gore à souhait. Je vais le remettre en rediff, de toute façon. Je vais mettre ça à la fin de ma vidéo de YouTube. Waouh. Eh ben dis donc. The Evil Within. Eh ben putain. Enfer de cerveau ce jeu. Satan a conçu ce jeu. De toute façon je vais le reprendre de mon côté. Ah ouais, je le conseille hein, Marc. Hein. Parce qu'il est génial. Non, il est vraiment très très bon. La musique, faut que je la tague.
s'il a tagué avec Shazam. Shazam! J'adore la musique de ce jeu. Allez, vas-y, tag, 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 tag. Ah merde, ça marche pas! Tant pis. Ouais, de toute façon, c'est un truc spécialement pour le jeu, ouais. Ouais, c'est un truc spécialement pour le jeu, mais c'est normal que ça puisse pas être pas... que ça ne puisse pas être tagué. C'est logique. Putain. Bon, du coup, tout ceci nous pose une terrible question. Bonus de fin, mitraillette obtenue. Oh putain. Mais je crois que je vais y rejouer en fait. Je crois que je vais... Ah oui, lance-roquette obtenu, bonus de fin, 50 000 points d'aptitude. Nouvelle partie, plus galerie de personnages, peuvent maintenant être sélectionnés au menu principal, vous pouvez maintenant sélectionner... Putain. Je pense y rejouer, mais peut-être en off. Pour juste... exorciser ma peur, enfin exorciser le jeu. Putain. Sauvegarder. Et du coup, si tu recommences, prochain jeu, je sais pas du tout. J'aimerais bien faire The Evil Within 2, en fait. Mais, est-ce qu'il serait pas mieux de faire un peu un changement, quoi, qu'est-ce ? Je sais pas. Ah, quoique, on m'a dit, Marc, que The Evil Within 2 était à 29€ sur e-gaming. Au gaming, peut-être. Mais je sais pas. Je sais pas. Très bon jeu, hein. Franchement, je le conseillerais à n'importe qui. Faut que je regarde sur internet, on m'a dit de regarder au gaming. Le jeu est à 29€, sachant que sur Steam c'est quasiment le double. C'est le double, en fait. Evil Within. Donc The Evil Within, ou alors un truc horreur, un autre jeu d'horreur, peut-être. Je sais pas. C'est comment déjà le site? C'est O-Gaming? E-Gaming? Je sais plus comment c'est. O-Gaming, peut-être. Ah non, c'est pas E-Gaming. Ah, je sais plus comment. Sur quel site il m'a dit d'aller? IG, peut-être? Il y a G2A et il y a l'autre site, je sais plus ce que c'est. GOG, peut-être? Alan Wake, ah ouais, Alan Wake, c'est vrai, je l'ai commencé. Eh ben écoute, pourquoi pas. On pourrait reprendre l'aventure Alan Wake, histoire de se dire comme ça on finit les trucs qu'on a commencé. Ouais, ça serait pas con. Tac tac tac. Ah. Il y aurait moyen de le trouver là. Sur G2A peut-être. Ah non, Instant Gaming. Ah voilà, c'est là-dessus que tu m'avais dit de passer peut-être. Instant Gaming. Yes. Layer of Fear, sinon il est court en plus. Peut-être. Mais Layer of Fear, par contre, c'est un truc. C'est un peu plus contemplatif, non? Genre, tu te prends vraiment tout dans la gueule et tu peux pas te défendre, il me semble. Ça doit être un peu ce genre-là. Faudrait que je vois. Sur e-gaming, sur Instant Gaming, il est à 29€. Mm-hmm. Configuration. Tac tac tac. D'ailleurs, je sais pas aussi, est-ce qu'il est gourmand par rapport à l'autre? Il doit être gourmand le jeu aussi. Le Forge GTX 1060. Ouf. Ah j'ai pas une GeoForce assez, enfin si j'en ai rien, mais c'est pas la configuration recommandée que j'ai d'ailleurs. Il est terrible Layer of Fear. Ouais, tu me l'as déjà dit, il me semble.
Bon, bah écoute, la prochaine fois, prochain live horreur, ce sera soit Layer of Fear, soit Alan Wake. Il y a de fortes chances que ça soit Alan Wake, parce que je l'ai déjà commencé, et du coup, pour continuer et le finir. Je suis pas allé très très loin en plus, hein, donc... Et puis, Ezzy et Bill Wizzin. Coming back until one of us is dead. Come then. I await you. Wow. Ah, The Evil Within 2, on se le fera, hein. On se le fera, c'est sûr. La question, c'est quand. La question, c'est quand. Mais Layer of Fear, il est court, fais-le avant. Ah, je le ferai avant. Ah, peut-être. Mais en tout cas, si je le fais, il faut que tu sois là, mon avis. Il faut que tu sois là, parce que je le ferai surtout pour toi. Il me semble que j'ai dû en voir des morceaux d'un ami qui l'a streamé, pareil. Est-ce que je continue à stream et je fais un jeu, un petit jeu comme ça? Non, je crois pas. Je crois que je vais arrêter. Nouvelle partie plus. Commencer une nouvelle partie. Oh là là, comme c'est... ouais. Je vais faire ça. Là, on est dimanche, maintenant on est lundi. Ah ouais, mais ce qu'il faudrait, toi, c'est que tu mettes des rediffs. Ça serait bien si tu mettais des rediffs, comme ça je pourrais voir le jeu, ce qu'il y a... Tu mets une rediff d'un jeu que t'as fait de A à Z, comme ça je pourrais voir un peu tout ça, quoi. Juste mettre des VOD. Parce que sinon... Parce que là, toi, tu la stream, mais j'ai aucun moyen de voir ou quoi que ce soit, de savoir... Ça se trouve, c'est pas vrai, ça se trouve, tu me mens. Bah, hier... Ah, t'as une chaîne. T'as une chaîne YouTube? Je savais pas que t'avais une chaîne. Si je fais Marc le chat. Ah, mais je savais pas, moi. Attends. Marc le chat. Ah, sur ta chaîne Twitch. T'as les replays, c'est vrai? C'est vrai ce mensonge? C'est vraiment vrai? Oh. On va voir. J'ai encore rien sur ma chaîne YouTube. Attends, je regardais du coup. Marc le chat regarde Archiboulette. Mais qui est-ce que c'est? Je vais le rejoindre. tac tac tac. Non, ce que je veux, c'est comment je peux faire? Comment je pourrais faire pour rejoindre ta chaîne? Regarde dans vidéo, puis temps fort ou collection. Ah mais oui, t'as les vidéos! Putain, c'est vrai! Oh là là, d'accord! C'est génial! Quel jeu tester ensuite? C'est génial! Je regarderai du coup peut-être... Ah oui, du coup, t'as même essayé à me donner The Evil Within, je vois ton truc. C'est marrant. Tac, 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 tac. Bon, bah écoute... qu'est-ce que je peux dire et promettre, mais essayer de ne pas promettre dans le vide, quoi. Qui va sortir, là, qui ah merde, c'est quelqu'un qui parle, là. Ah oui, ça doit être le stream que tu hostes. Bien, ce que je peux te dire, c'est que le prochain stream, ça sera sûrement Layer of Fear. Il faut juste que je me rappelle les jours où tu streams pas et tout ça. Tutti quanti, quoi. Tu me l'avais dit, mais j'ai encore oublié. Je vais regarder sur l'historique du chuchotement. Tu m'avais dit que tu streamais pas quand. Oh, il Kinou qui veut qui me host au dernier moment, au dernier moment à la fin du stream. Bah, c'est gentil en tout cas, c'est quand même gentil. C'est super gentil, mais j'ai fini, y a plus rien à voir. Circulez madame, y a plus rien à voir. C'est super gentil, mais j'ai fini Evil Within, je l'ai fini, ça y est. J'ai rien compris, mais ouais, je l'ai fini. Les horaires sont dans la description de ma chaîne. Ah oui, c'est vrai.
C'est vrai que toi, tu fais les choses bien. Tout ça, tout ça. Ouais, GG, merci. J'ai tué Ruvik, le gros méchant pas beau, hashtag gros méchant pas beau. Je sais plus ce que je voulais faire. Ah oui, regardez sur ta chaîne les horaires. Tu veux pas me les envoyer? Au chuchotement. Non, je regardais, mais... tac. Comment je fais déjà pour rejoindre ta chaîne? Je sais plus. Rejoindre. Ah mais non, mais là, si je fais rejoindre, ça va aller sur, sur la chaîne que tu regardes. Enfin, que tu hostes. Que je vais remettre. Tu comptes en même temps. Ah oui, il y a les DLC en plus. Ah, là, il y a des DLC. Là, il y a des DLC, donc... Putain, mais oui. Mais totalement. The Evil Within. J'avais complètement zappé ça. En plus, il y a une personne qui est passée sur mon live à un moment donné et qui m'a supplié de d'acheter les DLC. Et ben voilà, ça va être ça la prochaine chose qu'on va faire. Oh ben ça va, c'est pas trop cher en plus. Le prochain truc qu'on va faire avant Layer Fear et avant Alan Wake, c'est les DLC. Il y en a 3 en plus. The Assignment, The Consequence et The Aguish Executioner. Executioner. Ok. Par contre, The Executioner, pas forcément. Pourquoi? 3 DLC, je conseille. Non. Mardi 22h. Tac, mercredi, vendredi. Donc le top, ça serait lundi, mais bon. Lundi soir ou jeudi? Ouais, lundi soir. C'est demain, en plus. Enfin, c'est même aujourd'hui. Mais je risque de streamer un peu plus les 2 semaines qui viennent. D'accord. C'est un DLC fun qui rajoute pas grand-chose à l'histoire. Ok, ça marche. Bon, bah je ferai The Assignment et The Consequence. Promis. Du coup, rendez-vous demain. Enfin, demain. Après la journée du lundi soir. À partir de 21h30, je dirais 21h30, je tweeterai de toute façon, parce que rien n'est sûr à 100%. Ah, tu joues le gars avec son coffre. Ah ouais, purée, je déteste le gars. C'est le gars avec le coffre, c'est le monstre là qui meurt et qui se à chaque fois qui se comment dire qui ressuscite sur les coffres qui sont éparpillés partout là. J'ai encore rien défini à ce sujet, Archi. Ok. Ah, il est horrible lui. À la fin, là, j'ai dû en buter 2 et s'ils étaient encore plus solides. J'ai gardé des balles de sniper pour eux et des arbalètes, enfin des carreaux d'arbalètes explosifs. Bon, allez les amis, du coup, je ne peux pas. Je ne sais pas quoi dire de plus. Écoutez, je vous admire, je ne suis qu'amour. Vous n'êtes qu'amour. Et puis voilà. Merci pour le host en tout cas, même si à la fin du stream, c'est pas grave, ça fait toujours plaisir. Et puis voilà, je vous dis, je vous... Courgette. Courgette. Bonne nuit. On a rendez-vous du coup, on se donne rendez-vous demain lundi, le soir, 21h. Prenez soin de vous les amis. Prenez soin du rock'n'roll, et puis à très vite. Allez, tchuss.